Bonjour à tous, je suis le docteur Anne-Sophie Lemaire-Hurtel, praticien hospitalier au laboratoire de pharmacologie toxicologie. Cette communication fait suite à celle présentée par le CUP de Lille et reprend les cas amiénois de soumission chimique pour les 3 premiers trimestres de l'année 2022. Pour rappel, la soumission chimique est l'administration à des fins criminelles ou délictuelles de substances psychoactives à l'insu de la victime ou sous la menace. Ces situations sont à distinguer des cas de vulnérabilité chimique qui désignent l'état de fragilité d'une personne, conséquence de la consommation volontaire de substances psychoactives, des médicaments, de l'alcool, des stupéfiants, qui vont la rendre plus vulnérable à un acte délictuel ou criminel. Au CHU d'Amiens, et depuis de nombreuses années, nous avons protocolisé l'accueil des victimes dans ce contexte de soumission chimique. Et ce protocole intègre évidemment le service des urgences qui accueille les victimes, qu'il s'agisse des urgences adultes gynécologiques pédiatriques via un formulaire spécifique. Ce protocole associe évidemment aussi le service de médecine légale qui assure la prise en charge des victimes et les laboratoires, dont le laboratoire de toxicologie qui assure des analyses. Effectivement, au laboratoire, nous recherchons dans le sang, mais également dans les urines des victimes, ce qui permet d'augmenter la fenêtre d'exposition à l'administration de substances. Nous recherchons des molécules susceptibles de baisser la vigilance, à savoir l'éthanol, les stupéfiants, les 4 familles que sont les opioïdes, les cannabinoïdes, les amphétaminiques et les cocaïniques. Et puis, nous réalisons un criblage toxicologique large permettant d'identifier bon nombre de médicaments qui correspondent à un traitement psychotrope, mais pas uniquement. Nous recherchons également spécifiquement le GHB et tous les médicaments susceptibles d'altérer la vigilance à des concentrations extrêmement basses, de l'ordre de celles qui peuvent correspondre à une prise unique de substance. Les méthodes utilisées pour assurer ces dosages sont des méthodes de référence. Il s'agit de techniques chromatographiques, la chromatographie phase gazeuse avec une ionisation de flamme pour doser les alcools, mais également les techniques de chromatographie liquide haute performance avec spectrométrie de masse en tandem pour les autres molécules. Devant la constatation d'une nette évolution des demandes de prise en charge de dossiers de soumission chimique, passant d'une quarantaine au cours des années classiques comme 2019 ou 2021 à 76 fin septembre 2022, nous avons cherché à en déterminer les caractéristiques, tant sur le plan des victimes, des agresseurs, mais également concernant les consommations de substances. Nous avons inclus dans cette étude les demandes d'analyse toxicologique transmises au laboratoire, à la fois dans un contexte hospitalier de soumission chimique, identifiable par un formulaire spécifique joint au prélèvement, ou des demandes réalisées sur réquisition judiciaire. La période étudiée a porté du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022. Comme déjà annoncé, au 30 septembre 2022, 76 cas de soumission chimique étaient parvenus au laboratoire, avec un pic de dossiers sur le mois d'avril, mais également en début d'été. Nous retrouvons autant de cas hospitaliers que de cas judiciarisés, à savoir 51,3% de cas strictement hospitaliers et 48,7% de cas médico-légaux, ceux-ci pouvant être initialement pris en charge dans un contexte strictement hospitalier. Concernant les victimes, ce sont principalement des femmes, 90,8% des situations. Les victimes, comme vous pouvez le constater, sont jeunes, car plus de 67% ont entre 15 et 25 ans, voire très jeunes, car 11,8% ont moins de 15 ans. Mais malheureusement, aucune tranche d'âge n'est épargnée, car des victimes ont un âge pouvant aller jusqu'à 61 ans, tant qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. 13% des victimes ont déclaré prendre un traitement
par une ou plusieurs molécules psychotropes. Et dans 65% des cas, les victimes ont signalé avoir présenté une amnésie totale ou partielle des faits, ce qui rend parfois difficile l'interprétation de nos résultats. Concernant les agressions, l'infraction la plus souvent identifiée est à caractère sexuel, avec agression sexuelle ou suspicion d'agression sexuelle associée à parfois une perte de vigilance. On la retrouve effectivement dans 52,6% des situations. À noter une nouveauté en 2022, 11,8% des victimes rapportent une piqûre ou une suspicion de piqûre, ce qui correspond à 9 cas, dont 3 qui ont été objectivés cliniquement par des médecins de l'hôpital. Les faits se sont produits quasiment toujours en soirée pour 97% des situations et sont identifiés à la fois en semaine ou le week-end, où l'on note 55% des infractions sur ces 3 derniers jours que correspondent vendredi, samedi et dimanche. Concernant les agresseurs, ils ont été identifiés dans un peu moins de la moitié des cas. Dans tous nos cas, il s'agit d'hommes. Ils agissent principalement seuls, mais parfois à plusieurs, ce qui a été identifié dans 5 situations, avec parfois un nombre d'agresseurs dépassant 2 personnes et pouvant aller jusqu'à 5 personnes. Ce qu'il est important de retenir, c'est que les agresseurs identifiés sont dans les 3/4 des cas connus de la victime. Il s'agit d'un ami, d'un membre de la famille, de l'ami d'un ami ou d'une simple connaissance. Concernant nos analyses biologiques, il est à noter que 84% des victimes ont pu bénéficier d'analyses complètes, c'est-à-dire réalisées à la fois sur le sang mais aussi sur les urines, ce qui permet d'augmenter la fenêtre de détection de substances. Dans certains cas, et en fonction du contexte, notamment dans une prise en charge avec délai tardif, dépassant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, nous avons travaillé sur des matrices alternatives, à savoir les cheveux et les ongles, qui permettent d'étendre très largement cette fenêtre de détection. Concernant ces délais, il est renseigné dans 87% de nos dossiers. Le délai moyen entre les faits présumés et les prélèvements est en moyenne de 9,5 heures, allant de 25 minutes à plusieurs mois, notamment 2 mois. Et dans 37% des cas, les prélèvements sont effectués dans les 12 heures. Ce délai permet justement d'identifier des molécules à temps de demi-vie relativement court, comme le GHB. Abordons maintenant les résultats des analyses réalisées. Dans 34% des cas, l'analyse ne met en évidence aucune substance, conséquence soit de la prise d'aucune molécule ou d'une élimination complète des produits consommés ou administrés du fait d'un délai de prise en charge encore trop long. Dans près de la moitié des cas, de l'alcool est retrouvé dans le sang et ou dans les urines des victimes. L'alcool a été retrouvé seul dans 1/4 des cas ou associé à des substances médicamenteuses ou stupéfiantes dans 19% des situations. Si l'on se focalise sur cette consommation d'alcool, comme on peut le voir sur le graphique en haut à droite, 37% des victimes déclarent en avoir pris alors que l'on en retrouve chez 44% des personnes. Il y a donc une sous-notification. Ce phénomène s'accentue quand on analyse la prise de stupéfiants. À peine 10% de victimes disent en avoir pris contre 20% retrouvés avec parfois des polyconsommations qui incluent plusieurs familles de stupéfiants. Ces cas s'apparentent davantage à des situations de vulnérabilité chimique qu'à des véritables cas de soumission chimique, l'alcool et les stupéfiants pouvant altérer la vigilance des victimes. Quelles sont les familles de substances retrouvées dans les prélèvements si l'on écarte l'éthanol? En tête arrivent les benzodiazépines et molécules apparentées, zolpidem, zopiclone. L'oxazépam a été retrouvé 5 fois, le bromazépam 4 fois. Interviennent ensuite d'autres molécules
comme le nordiazépam, métabolite du diazépam, ainsi que les métabolites associés que sont l'oxazépam et le temazépam. Ensuite, nous retrouvons d'autres benzodiazépines, l'alprazolam et son métabolite, le midazolam, le lormétazépam, le lorazépam, le clobazam et le loprazolam. Concernant les antihistaminiques H1 et les molécules sédatives, nous retrouvons deux cas où l'allimémazine a été clairement identifiée et quantifiée. Nous retrouvons aussi des molécules qui sont en vente libre dans les officines, à savoir l'oxomémazine ou la phéniramine. Concernant les stupéfiants, c'est principalement le cannabis qui est retrouvé dans 11 dossiers, puis la cocaïne et ses métabolites dans 5 dossiers, ensuite les amphétamines avec l'ecstasy dans 3 dossiers, la buprénorphine dans 2 dossiers, et pour la première fois en 2022, nous retrouvons des situations où la kétamine a été consommée. Nous retrouvons de façon moins régulière d'autres molécules comme le tramadol, un opioïde, la codéine, la folcodine, un antidépresseur, la sertraline et la pregabaline. Si l'on s'intéresse maintenant aux médicaments, les benzodiazépines, les antihistaminiques ou les autres molécules retrouvées, quand on analyse ces dossiers, ont été déclarés comme faisant partie du traitement les molécules retrouvées dans seulement 36% des cas où nous les avons clairement identifiées. Est-ce un oubli de déclaration par les victimes de leur traitement médicamenteux ou est-ce un vrai cas de soumission chimique vraisemblable? C'est possiblement le cas et on peut penser que les cas de soumission chimique correspondent à ces situations-là. Faisons dès à présent un focus sur le GHB. Comme vous le savez, le GHB a un double statut. C'est une molécule endogène, c'est-à-dire qu'on en produit tous à partir du neuromédiateur GABA, mais c'est également un médicament utilisé en anesthésie. C'est un produit incolore, inodore, qui se présente sous la forme de liquide. Il est utilisé à des fins récréatives dans les milieux festifs, puisqu'à faible dose, le GHB induit un état de désinhibition et d'euphorie proche de l'ivresse à effet rapide. En effet, son effet survient entre 20 et 45 minutes après la prise orale, et cette molécule, au niveau pharmacocinétique, s'élimine extrêmement rapidement. On ne pourra le retrouver dans un prélèvement sanguin uniquement si celui-ci date de moins de 8 heures après la prise ou dans les urines si ce prélèvement est réalisé moins de 12 heures après la prise. Dans notre étude, le GHB n'a jamais été retrouvé sur les 76 dossiers analysés et pour rappel, 31,8% des prélèvements étaient réalisés avant son élimination du sang et 37% des prélèvements réalisés à fond avant son élimination urinaire. On parle souvent de GHB comme drogue du violeur. Ce statut est possiblement très exagéré, mais le fait d'avoir une fenêtre de détection relativement courte laisse toujours planer le doute dans les situations où aucune autre molécule n'est retrouvée. Faisons également un focus sur les piqûres ou needle sticking. C'est une nouveauté en 2022. Les premiers témoignages de piqûres sauvages ont été renseignés au Royaume-Uni, où plus de 1500 cas ont été recensés depuis l'automne 2021. Ce phénomène touche actuellement le nord de l'Europe, les Pays-Bas, la Belgique, la France. Comme déjà annoncé précédemment, nous avons reçu 9 notifications de cas de piqûres dans notre région. Et aucune substance classique de soumission chimique n'a été retrouvée chez ces 9 victimes. Néanmoins, à l'administration possible de substances via ces injections s'ajoutent d'autres problématiques à prendre en compte, notamment les situations d'accident d'exposition au sang, car l'administration d'un produit via la barrière cutanée peut entraîner des contaminations, et d'autres examens pourraient être associés au bilan classique, à type bilan bactériologique, virologique ou biochimique. Au final, l'important reste la prévention.
Comme vous avez pu le constater, nous sommes régulièrement face à des situations d'auto-vulnérabilité, c'est-à-dire d'agression après consommation volontaire de substances psychoactives par la victime. Ces situations font suite à la prise massive d'alcool, la prise de cannabis. Et il est important de rappeler qu'une quantité identique d'alcool consommée peut entraîner des effets différents chez une même personne en tenant compte de son état de fatigue, de son ventre vide ou plein, d'un état de stress ou d'un traitement médicamenteux associé. Il est important d'alerter sur l'accompagnement. On doit veiller sur son entourage en soirée et évidemment alerter en cas de malaise. On tiendra effectivement aussi une autre situation importante, c'est le chemin du retour. Beaucoup de victimes ont été agressées quand ils ont quitté les lieux festifs et lorsqu'ils rentraient à leur domicile. En soirée, il sera important de surveiller la préparation de son verre. On ne consommera pas la boisson dans le verre d'une autre personne. On évite de laisser son verre sans surveillance et on peut utiliser un dispositif, un drink watch, qui est un système qui permet d'éviter l'introduction de drogue dans les verres. Ces dispositifs sont désormais très facilement accessibles dans les bars et les boîtes de nuit afin de lutter contre ces situations de soumission chimique. Devant toute suspicion d'agression, devant un trou noir et des situations inquiétantes, ce qu'il sera important, c'est d'alerter. On alerte les établissements, les bars, les discothèques, on alerte son entourage, on appelle les secours et dans un second temps, on pourra se présenter aux urgences des hôpitaux et cela dans un délai le plus court possible pour évidemment être pris en charge médicalement, un examen médical et ou gynécologique sera réalisé en fonction du contexte, mais également des prélèvements biologiques pourront être réalisés pour des analyses toxicologiques, car comme vous l'avez compris, plus le temps passe, plus les substances sont éliminées et il y a une perte de chance pour obtenir la vérité sur des milieux classiques tels que le sang et les urines, mais également pour réaliser d'autres analyses à type prélèvement ADN ou biochimique. Dans tous les cas, il faudra favoriser le dépôt de plainte. Dans ce sens, trois sociétés savantes, la CNBAE, la Société française de toxicologie analytique et la Société française de médecine légale, ont rédigé un mémo à visée du grand public pour les conduites à tenir en cas de suspicion d'agression à la piqûre. Ces éléments reprennent finalement tout ce qu'on a déjà pu évoquer dans les situations de soumission chimique, c'est-à-dire l'alerte, la réalisation de prélèvements et le dépôt de plainte. N'hésitez pas à contacter les laboratoires afin d'obtenir plus de renseignements sur ces situations. Je vous remercie pour cette écoute et remercie les centres régionaux de pharmacovigilance qui nous ont permis d'exposer nos situations de soumission chimique en 2022.